Avec nous dans la puissance de son esprit si on lui donne les morceaux de vie. Alléluia. Si on donne les morceaux de vie, il sera difficile parce que en fait notre vie c'est comme un vase. Comment un vase ne peut pas se donner à moitié? Si un vase se donne à moitié, ce vase ne peut pas contenir, en fait, tu vois, ça va empêcher le flot de l'esprit. Ça ne peut pas contenir le flot de l'esprit. Et nous sommes appelés à servir Dieu en esprit et en vérité. Donc, pour servir Dieu en esprit et en vérité, il faille que nous lui donnions toute notre vie, en fait. On doit engager toute notre vie envers Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il va dire dans le livre de Romains, chapitre 12, à partir du premier verset à 2, il dit: je vous exhorte donc, frères, je vous encourage, je vous incite, tu vois, à par les compassions de Dieu, à présenter vos corps ou à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ce qui sera de votre part un service ou un culte intelligent. Hein? Donc, un culte qui plaît à Dieu, qui réjouit le cœur de Dieu. Ce n'est pas
on a une chorale ici, on a, je ne sais pas, les trucs qu'on a fini de mettre en place. Non, le culte qui plaît à Dieu, c'est le sacrifice de toute ta vie. Alléluia. Et ta vie parle plus que les paroles, en fait. Parle plus que les prédications qu'on peut donner, chers frères et sœurs. Alléluia. Ta vie, le témoignage de ta vie parle plus que l'enseignement oral que tu peux donner ou ce que tu peux écrire dans les livres. L'enseignement écrit, le témoignage de ta vie. Ta vie peut parler pour Dieu. Ta vie est capable d'enseigner là où on t'empêche, là où les lois humaines nous empêchent de parler. Là où les lois nous disent que si vous parlez de Dieu, vous allez en prison. Il y a des pays où lire la Bible est considéré comme un crime contre l'État, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Mais comment faire dans ce... Est-ce que ça empêche à Dieu de gagner les vies? Dieu gagne les vies à travers les témoignages. Si on nous empêche de parler, nous, on ne peut pas nous empêcher de vivre la vie de Dieu. Alléluia. Donc, il y a c'est pourquoi le Seigneur dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez quoi? Mes témoins. Donc, le Saint-Esprit nous est donné pour qu'on puisse être des témoins là où Dieu nous a appelés, chers frères et sœurs. Et le témoignage, c'est plus important, c'est ensemble. Nous proclamons, si nous avons la possibilité de proclamer, on proclame, mais en même temps, on doit vivre la vie de Dieu. Parce que, en fait, nous pouvons dire des choses, mais attention que nous pouvons dire des choses de Dieu, mais attention que notre témoignage peut crier plus fort que les paroles que nous sommes en train de donner aux gens. Hein? Ton témoignage, hein? Ou ton témoignage, ta vie, surtout si elle est contraire à ce que tu dis, à ce que tu sais de Dieu, ça va crier plus fort au point où les gens là, ils seront sourds. Ça va les rendre sourds en fait, parce que tu ne vis pas, parce que tu n'es pas un témoin. Et chers frères et sœurs, ce n'est pas Dieu ne nous appelle pas à la morale, à avoir une morale religieuse. Ne fais pas ceci, ne vole pas, ne triche pas. Nous avons besoin de la vie de Dieu en nous. Sans quoi le témoignage, la vie de témoin est impossible. Nous avons besoin de la vie de Dieu. Et ce que nous pouvons être à l'extérieur, c'est la conséquence de ce que Dieu fait à l'intérieur de nous. S'il n'y a rien de Dieu, sinon on ne permet pas à Dieu à bâtir notre vie intérieure, notre témoignage sera faible en fait. Nous aurons une vie spirituelle misérable ou peut-être qui n'est pas saine. Tu vois, et ça va se révéler par la vie de prière, les temps que nous passons devant Dieu, la communion avec le Seigneur. C'est l'intérieur. Dieu veut l'intérieur. C'est l'intérieur que Dieu veut. Alléluia. Et tout part de l'intérieur. Donc s'il n'y a pas, si on ne donne pas, si on ne s'ouvre pas intérieurement au Seigneur, frère, nous ne serons pas un homme spirituel. C'est impossible. On sera un religieux en fait. On sera un religieux, on pourra réciter la Bible comme les catholiques, comme les protestants réformés, comme n'importe qui, comme des gens qui peuvent aller dans les facultés de théologie. C'est-à-dire qu'une connaissance qui est intellect. Tu vois? Mais Dieu est esprit. Et ce qu'ils recherchent sont les adorateurs en esprit en vérité. Et ça passe par le sacrifice total de notre vie. Ce n'est pas des parties, ce n'est pas des morceaux de notre vie. C'est toute notre vie qui doit être imprégnée de la présence de Dieu. Dieu veut imprégner nos pieds de son esprit. Il veut faire couler l'esprit de Dieu sur nos pieds. Hein? Nos pieds doivent recevoir l'Esprit de Dieu. Nos mains doivent recevoir l'Esprit de Dieu. En sorte que quand tu pries sur un malade, l'onction qui est sur tes mains va briser le joug dans la vie de la personne. Chers frères et sœurs, nos yeux, notre visage, hein, pour affronter l'injustice. Nous avons besoin d'un front. Il y a des gens face à des difficultés, à des injustices. Ils n'osent rien dire. Face au péché, ils ne peuvent pas dénoncer. Parce qu'ils ne sont pas... Il faut laisser le Seigneur soin de travailler ta vie intérieure. Alléluia. C'est ta vie intérieure. C'est l'intérieur, c'est pas l'extérieur. C'est pas l'extérieur. Et vraiment, le Seigneur me dit, je te donne ma vie, que ce ne soit pas seulement des mots ou des paroles, chers frères et sœurs, mais que ce soit la réalité de notre cœur. Alléluia. Et c'est un travail, c'est un processus. C'est jusqu'à ce que le Seigneur vienne.
Ce n'est pas qu'aujourd'hui je donne ma vie, je me donne entièrement au Seigneur. Quand il y a des circonstances qui, en fait, qui ne m'arrangent pas, je reprends ma vie pour me gérer comme j'ai envie. Non! C'est un don qu'on fait à Dieu. Et ce n'est qu'à ce prix que le Seigneur pourra nous utiliser, chers frères et sœurs, comme des vases. Alléluia. C'est ça en fait. On ne peut pas. C'est pas nous qui faisons des choses à la place du Seigneur. Tu vois? C'est impossible. C'est pas nous qui faisons des choses pour Dieu. Ça, c'est la religion. On fait des choses pour le Seigneur. Tu vois? C'est Dieu qui fait des choses pour lui-même, par amour pour lui, à travers notre vie. Quand nous lisons le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, il nous est dit au verset 19 que Dieu était en Christ. Dieu vivait en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Tu vois, Christ, c'était une enveloppe extérieure. Hein? C'était comme un vase qui contenait Dieu, toute la plénitude de Dieu. Tu vois, c'est Dieu qui était en l'intérieur de lui. Donc, Christ, c'était comme une forme d'enveloppe, une forme de carapace, mais qui contenait Dieu. Je ne sais pas ce que nous contenons au-dedans de nos chers frères et sœurs. Et à ce moment-là, le ministère et la réconciliation est possible. Parce qu'il n'y a que Dieu, l'Esprit de Dieu, pour parler avec précision. Ce n'est pas nous. Qui connaît le cœur de l'homme? Personne, chers frères et sœurs. On ne peut pas connaître le cœur de l'homme. Si ce n'est l'homme lui-même, et Dieu connaît toutes choses, il sonde les cœurs, il sonde les reins. Il n'y a que Dieu pour parler avec précision, chers frères et sœurs. Il sait tout, on peut comprendre nous. Il sait tout, il peut aller dans les plus profondeurs, là où personne ne peut nous voir, là où personne. Dieu parle avec précision. Donc, on a besoin de Dieu, on a besoin de contenir véritablement Dieu en nous. C'est ce qui a fait la force des apôtres au jour de la Bible. Parce qu'on se pose la question, regardez l'onction qui accompagnait ces hommes. Oui, mais parce qu'ils étaient totalement livrés à Dieu. Ils appartenaient au Seigneur. Ils ne vivaient pas pour eux. Ils ne vivaient pas pour leur organisation. On ne voit pas des apôtres en train de créer des organisations, des systèmes de dénomination comme aujourd'hui. Et comme tu es à Montpellier, tu as créé un autre système à Paris ou au Cameroun, et c'est comme une chasse gardée pour toi. Personne d'autre ne peut aller enseigner dans cet endroit-là sans ton accord. Les apôtres n'ont pas fonctionné ainsi. C'est une seule église. Quand on parle d'église, ce n'est pas le bâtiment. Tu vois? Parce qu'ils avaient la vision du royaume. Ils prêchaient l'enseignement de Christ. Le même message. Repentez-vous et convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ce n'était pas autre chose. Ce n'était pas les choses qu'on entend aujourd'hui. Des messages qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Donc, on s'est substitué à l'Esprit de Dieu. Ben, c'est pourquoi l'Église est dans l'échec, en fait. L'Église qui est appelée à vaincre. La Bible dit, le séjour des mondes est pris vos drapeaux contre l'Église. Le nom même d'Israël. Israël, Israël, ça veut dire Dieu prévaut. Dieu a la suprématie. Dieu a le dessus. Dieu domine. Sur quoi? Sur le diable, sur les sorciers, sur la maladie, sur les difficultés de la vie. C'est ça, Dieu prévaut. Et c'est ça l'Église. Le Seigneur dit, le séjour des morts n'est pas vos grands points contre mon Église. Oui. Dieu veut une Église forte. Alléluia. Ce n'est pas un système. C'est nous l'Église. Le séjour des morts n'est pas vos grands points. Le séjour des morts, c'est quoi? C'est le monde. Quand le Seigneur dit, laissez le monde, que le monde. Les gens dans le monde, ils sont forts. Mais regardez comment le monde a la supériorité sur l'Église. Le monde a le dessus sur l'Église. Le monde, c'est le monde qui inspire l'Église. L'Église va à la direction du monde. Elle s'habille comme le monde. Elle fait des choses du monde. Dieu ne nous a pas appelés à faire des choses du monde pour gagner le monde. Non. Nous devons nous séparer du monde. C'est ça la sanctification. Et pour que le monde quitte, pour que les gens quittent la vie du monde pour s'attacher à Dieu et non le contraire. Que le Seigneur puisse nous aider, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Seigneur, tu es grand, tu es puissant, Seigneur. Ton règne n'a pas de fin, Seigneur. Nous voulons être cette église. L'église qui est bâtie par toi et pour toi. L'église qui vit dans la dynamique de l'esprit, Seigneur Dieu. Nous voulons être l'église qui est dans ta présence, Seigneur. L'église qui est dans l'onction. Seigneur, mon Dieu, mon Père, ce matin encore,
Je réclame une visitation de ta part, Seigneur. Visite nos vies.